Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a quoi là? Quête. Secondaire, il n'y en a pas. Hein. Pourquoi il y a des quêtes secondaires maintenant? Il n'y en avait pas de quête secondaire. Elles ont dû se débloquer toutes seules. Pas fait gaffe. Bon, on va continuer. Bon, bah, alors, je sais pas du tout si ça a coupé, si on entendait ou pas. Donc, pour résumer, la dernière victime, c'était la duchesse. Donc je vais aller l'informer. Qui c'est qui dit des fruits? Moi j'aime bien les fruits. Ça va les fruits? Les fruits! Est-ce vous qui avez mordu la bête? Faites des demi-tours. Sont bizarres un peu là, ils savent pas trop ce qu'elles font. Bon, en même temps, elles racolent. Bon, allons informer la duchesse qui m'a foutu au trou. Alors que sa sœur, elle voulait la buter. Si vous avez un creux, allez à la sous-entrée. Le sorceleur n'est pas aussi mauvais. Quelle fumée. Réginald de Daubry est de retour. Ayez crainte. Ne manquez pas ça. Sœur d'ici, protège. Ah ! Ça va. Ah non, là on va au cimetière de là où il y a la sœur là, qui est morte. Que faites-vous là? Auriez-vous oublié que vous avez épargné l'assassin que vous deviez éliminer, tout en laissant mourir la sœur de la duchesse? Croyez-moi, je suis là par nécessité. J'ai appris quelque chose qui devrait intéresser Anna Henrietta. Vous me pardonnerez de ne pas vous croire sur parole. J'ai une lettre écrite par Sianna, adressée à l'assassin. Très bien, entrez. Mais je ne vous promets rien concernant la duchesse. Elle pleure sa sœur dans la crypte ducale. Le vicomte de Letenov est avec elle. Bah ça va aller faire tout drôle, quand elle va voir que sa sœur voulait la tuer. N'oubliez pas, ma chère Anna. Le désespoir est tel un ciel orageux. Tôt ou tard, le soleil chassera les nuages. Votre sœur n'a point été assassinée. C'est facile pour vous de dire ça. Ma vie n'a pas toujours été rose, loin de là. C'est vrai, ma sœur n'a pas été assassinée. Je n'en ai pas, à vrai dire, mais plus d'une fois, j'ai perdu... Qu'importe. Votre Majesté... Comment osez-vous venir ici après tout ce qui s'est passé? Calmez-vous. Gérald a sûrement une très bonne raison. N'est-ce pas, Gérald? Avant de lancer des accusations contre moi, vous devriez savoir quelque chose. Sianna était une femme cruelle et vicieuse. Et pour qui vous prenez-vous? Pour me dire qui était ma sœur? Je suis l'homme que vous avez engagé pour enquêter sur la bête de Beauclerc. Et j'ai trouvé une lettre, adressée à l'assassin, écrite par votre sœur. Vraiment?
Dans ce cas, vous devriez vraiment la lire. C'est peut-être important. Vous avez raison, Jaski. Veuillez me la lire, je vous prie. Cette fois, votre victime sera notre chère duchesse, Anna Henrietta Ignortou de l'Empathie. Elle a le cœur froid. Vous lui arracherez donc ce bloc de glace de la poitrine. Ma sœur n'aurait jamais écrit ça. Les preuves disent le contraire. Non ! Je n'y crois point. Quelqu'un veut la salir à mes yeux. Je ne le permettrai point. Du calme, Anarieta. Ne vous énervez pas. Cette lettre est ignoble, calomnieuse. Vous devez la détruire, vous m'entendez ? Personne d'autre ne doit la lire. Jamais. C'est comme si c'était fait. Quant à vous, hors de ma vue. Tout est votre faute. Disparaissez, vous m'entendez ? Que je ne vous revoie plus. Jamais je ne la croirai capable d'une chose pareille. C'est scandaleux. Mais t'es con, quoi. Dites-lui que c'est faux. Dites-lui que c'est un mensonge abject. Bon, on va mettre ça sur le compte de la tristesse. Gérald, pars. La duchesse a besoin d'être seule. Ouais. Comment ça me gave, cette duchesse? Quant à mon entrevue avec la duchesse, ça n'a pas été facile. J'ai vu défiler toute la palette de ses émotions. Elle est passée par tous les états en un instant. Dois-je conclure qu'elle ne vous a pas serré dans ses bras pour vous remercier de l'avoir sauvée de la folie meurtrière de sa sœur? Oui, mais comment lui en vouloir? Heureusement, Jaski était là pour arrondir un peu les angles. Comme vous le savez, je n'avais aucune sympathie pour Sienna. Je déplore toutefois que nous ne soyons pas parvenus à la protéger. Avez-vous toujours des regrets concernant son sort? Oui, toujours. En ce cas, buvez. Je vous ai toujours pris pour une créature complexe, de par votre nature. Je ne vous imaginais pas être du genre à boire pour oublier. C'est une méthode trop simple. Face à certaines inquiétudes, je crains qu'il n'y ait tout simplement pas d'autre remède. Les doublages sont excellents. Beauclair semble en sécurité à présent. Cependant, je reste inquiet. Detlaff est encore en vie. Vous ne pensez pas qu'Anna Henrietta est toujours en danger ? Non. Il avait des comptes à régler avec Sienna. Et c'est tout ce qu'il a fait. Il n'a aucune raison d'attaquer quelqu'un d'autre. Ou de rester à Beauclair plus longtemps. Espérons. Cela dit, à sa place, je regretterais d'avoir à partir. L'endroit est tout bonnement sublime. Je me demande comment il va finir ce... Quel bouquet exquis. Cet épisode se développe en douceur et le final est explosif. Vous ne trouvez pas? Je ne suis pas un grand connaisseur. Alors il est grand temps d'apprendre. Vous êtes quand même propriétaire du vignoble Corvo Bianco à présent. Au fait, je vous ai laissé un cadeau dans votre nouveau chez vous, sur la table de chevet. Merci. Me direz-vous de quoi il s'agit ? D'une broutille, mais qui vous sera utile si vous avez besoin de mutagène. À propos, avez-vous réfléchi à ce que vous alliez faire de votre récompense ? Allez-vous raccrocher vos épées et vous mettre à tailler des vignes ?
C'est peut-être ça la fin. Pourquoi pas? Vous savez quoi? C'est bien possible. Non, ne riez pas. Pas aujourd'hui, ni demain. Mais peut-être qu'un jour, j'aurai envie de savoir ce que ça fait de se réveiller chaque matin dans son lit. Je vous en prie, arrêtez. Cet excès de sentimentalisme me fait mal au croc. Et après, allez-vous écrire vos mémoires comme Jasquier? Je me souviens d'une nuit non loin d'ici. Nous nous cachions dans une grotte alors qu'un blizzard faisait rage. Ça vous dit quelque chose? Et comment? Nous étions en route pour sauver Ciri de Vilschfortz. Notre rencontre avec Vilschfortz ne m'a pas laissé un aussi bon souvenir. Mais ce premier séjour à Beauclair fut bien plus calme que celui-ci. Ça ressemblait à un pays de contes de fées à l'époque. Le seul problème, c'était les caves, trop petites pour stocker tout ce vin. Les apparences, Gérald. Comme les fées Mamoun et les Doppler, elles peuvent être trompeuses. Alors, qu'est-il advenu de Vilschfortz? Je l'ai tué, mais ça n'a pas été facile. Et maintenant, vous avez des projets? Absolument. Je dois trouver Detlaf, l'aider. Je lui dois au moins ça. L'amitié entre vampires. Les règles sont claires. Ça doit être bien. Détecterais-je une pointe de sarcasme? Pas du tout. Ah. Je n'ai aucune envie de bouger d'ici. On pourrait rester encore un peu. Bien sûr, mon ami. Nous avons été témoins de grands événements que nous avons même précipités à plusieurs reprises. Après toutes ces péripéties, nous avons bien mérité un peu de repos. Bien d'accord. Et ben voilà. J'aurais presque pu le faire hier. Eh ben ça fait bizarre, hein. Ça faisait un peu plus d'un an que j'étais sur ce jeu, voilà, j'ai fait à peu près le tour, hein. J'ai fait le jeu de base, j'ai fait deux add-ons, je crois bien. Comment il s'appelait le premier? Je m'en rappelle plus. Ça fait bizarre. Bon, il restera quelques petites quêtes par-ci par-là, mais je pense pas que j'y rejouerai tout de suite. Peut-être que j'y rejouerai plus d'ailleurs, parce que j'ai fait plus de 200 heures de jeu, je pense que c'est pas mal. Je vais laisser le générique. Ah, bah comme ça c'est fait. Et ben voilà, ça fait drôle. Alors on va dire que c'est... Là, j'ai pas tous les jeux en tête, mais c'est probablement le jeu qui m'a le plus coaché depuis ces
Ouais, quasiment 10 dernières années. J'ai vraiment tout kiffé dans ce jeu. L'univers, la jouabilité. Enfin, c'est surtout l'univers, mais les histoires, les doublages, le ton cinématographique que ça prend. C'est vraiment une série, ce machin, quoi. Je l'avais acheté par hasard, en promo. Et je suis vraiment pas déçu. Je serais curieux de voir quand même ce qui m'a laissé le Régis, là. Pour le mutagène. Je vois pas trop ce que c'est. Bon, maintenant, ça me servira plus à grand chose. Moi ça fait chier parce qu'en plus là il y a quoi, il y a 16 minutes, j'ai dû couper pour des raisons tout con, j'ai tiré le fil du micro, du coup je sais plus si on m'entendait ou pas. C'est couillon, j'ai coupé ça en deux fois alors que peut-être hier j'aurais pu tout finir. Ça aurait fait une vidéo de 3 heures mais... Ça aurait été complet. Là, j'ai fait deux vidéos de genre 20 minutes chacune. Parce que j'ai fait le con. Bon, elle est un peu longue ce truc là. Je vais la couper, tant pis. Voir ce qu'il y a après. J'aimerais rentrer en fait. Nouvelle quête ? Ouais, peut-être pas en mode de surprise. Une humilité infinie, rentrez chez vous. Ben, c'est ce que je comptais faire de toute façon. Allez. On éteint le feu. On appelle Ablette et on rentre à la maison. Pourquoi je peux pas là, si je peux. Donc le jeu de base, il est vraiment super. La donne, que je me rappelle plus le nom, que j'ai fait juste avant. L'histoire, elle est vraiment folle. Mais complètement... Elle est excellente. Et cet add-on-là, le monde, il est super beau. Super... C'est bien, Ablette. Je sais pas le mot, un chanteur ou... Faites comme les tisseuses. Filez. Qu'est-ce que je peux faire ? Le paysage, il est super beau. Les prairies, les vignobles. Vraiment très très chouette. Bon, qu'est-ce qu'ils m'ont réservé là ? Majordome. Maître sorceleur, des inconnus ont fait irruption dans votre résidence. Ah bon ? J'ai résisté de mon mieux, mais en vain. Qui était-ce ? Hélas, je crains qu'il n'ait point eu la courtoisie de se présenter. Non, ça va être les potes. C'est quoi cette odeur? Un gâteau, un truc comme ça, non? Oh, Siri! Tu as l'air en forme. Viens, ne reste pas planté là. J'ai besoin d'un câlin. C'est sa fille adoptive, pour faire très simple. Qu'est-ce que tu as apporté ?
un garquin d'engraine. Je l'ai tué. Toute seule. C'est pour ça que tu as quitté Carreras aussi brusquement? J'ignorais où tu étais parti. Ton message m'a intrigué. N'essaie pas de me retrouver. J'étais sidéré. C'était idiot. Mais je me sentais oppressée par ton ombre. J'aurais étouffé si j'étais restée. Quand j'ai lu cette annonce, ce contrat, et vu le nom d'Engraine, j'ai su que je devais m'en charger. Seule. Sans nounou. Je ne suis pas ta nounou. Je crois en toi. Alors, tu aimes ma nouvelle maison? Jolie maison. Mais il y aurait quelques travaux à faire. Oui, j'y pense, ne t'en fais pas. On va dehors? Je pourrais te faire voir le parc. Bizarre qu'ils aient pas mis une petite musique là, ça fait un peu vide. Ah, j'adore cet endroit. Je pourrais rester ici pour toujours. Qu'est-ce qui t'en empêche? Rien, en fait. J'ai tué un garquin, empoché ma prime. Je pense avoir mérité un peu de repos. Certainement, mademoiselle. Comme dirait mon majordome. Il y a une chambre d'amis, en plus. Un intendant. Il s'appelle Barnabas Basile. Ou bébé, si tu préfères. Mais pas sûr qu'il apprécie. C'est lui qui t'a fait entrer. Je vais lui demander d'apporter des fruits et à boire. Tu peux te reposer le restant de la journée. Ah, rien ne me ferait plus plaisir. Comment ça s'est passé à Engraine? Les garquins peuvent être assez retors. C'est pour ça que j'ai dû attirer celui-là dans un endroit spacieux et désert, où il ne pourrait pas se cacher. J'ai trouvé une crypte abandonnée, loin de tout village. Bon choix. Il vaut toujours mieux éviter les morts inutiles. Ton adversaire ne pouvait donc pas se cacher, mais il devait quand même être rapide. Pas autant que moi. Ma plus grande crainte, c'était sa force, bien supérieure à la mienne. Mais une dose de sang noir a réglé le problème. Au bout d'un moment, j'ai faim d'avoir manqué une esquive pour le laisser boire. Ensuite, ça a été facile. La vie de sorceleuse est telle que tu l'imaginais? Geralt, je n'ai pas eu à me l'imaginer. Avant qu'on se sépare, on a suivi la voie ensemble un bon moment. Oui, mais une élève et son maître, ce n'est pas pareil. Je suis encore loin de maîtriser quoi que ce soit, mais j'essaie. Et puis, j'ai appris des meilleurs. Je n'ai fait que transmettre ce qui marchait pour moi. Du moins, j'ai essayé. Je pensais plutôt à Eskel et Lambert. Aucun regret sur les choix que tu as faits? Non, aucun. Je fais ce que j'ai toujours voulu faire. Je suis qui je voulais être. Je crois que c'est la définition du bonheur. C'est quand même dommage qu'il n'y ait pas une petite musique en fond. Peut-être c'est fait exprès, mais je trouve que ça fait un peu vide. As-tu découvert le côté le plus agréable du métier de sorceleur? À quoi fais-tu allusion? La haine, le dégoût. Cet étrange mélange d'admiration, de crainte et de mépris. Dans un village, on a lâché des chiens sur moi. Dans un autre, on m'a interdit de boire l'eau du puits. Autrement, tout s'est bien passé. Personne n'a encore tenté de m'escroquer sur la récompense. Moi qui espérais qu'on traiterait une femme différemment. Geralt, quand on traite une femme différemment dans ce bas monde, ce n'est pas forcément mieux. Au contraire. A plus tard, Siri. Prends soin de toi.
Ok. Un peu bizarre là, cette. Je sais pas, cette fin. C'est bien la fin là, il n'y a plus rien maintenant. Plus de quête principale, ouais, ouais. Bon, c'est sympa de revoir Ciri, mais. Ça fait bizarre. On dirait un petit goût d'inachevé, quoi. Je sais pas pourquoi elle revient, bon. Elle est contente. Elle a fait ses trucs de sorceleur, elle revient. Bon. Les monstres vous excitent. Moi, c'est une femme. Bon, il m'a dit qu'il m'avait laissé un cadeau. C'est qu'il m'a laissé un cadeau. Pas de cadeau, là. Majordome. En quoi puis-je vous être utile, monsieur? Pas plus, hein. Merci. Le devoir m'appelle à nouveau. À bientôt. Je pense que c'est dans la cave. Je vois pas où ça pourrait être. Non, non, pas là. On va aller voir ça et puis voilà, ça sera fini. Ah non, c'est là. Eh ben tu sais quoi, cette lettre, je vais la lire. Oh putain. Alors, cher Gérald, si vous lisez cette lettre, cela signifie que j'ai depuis longtemps franchi les frontières de Toussaint et que vous avez trouvé mon mutagénateur. Évidemment, libre à vous de donner à cet instrument le nom qui vous plaira ou qui correspondra le mieux à sa fonction, car il ne fait aucun doute que vos connaissances sur les mutagènes dépassent de loin les miennes. J'ai travaillé sur cet appareil durant mon temps libre, mais il est à présent terminé, et je suis convaincu, comme tout inventeur peut l'être avant que son invention n'ait été utilisée comme prévu, de son utilité. Vous vous demandez sûrement quelle peut être sa fonction. Comme son nom l'indique, le mutagénateur génère des mutagènes. Son principe de fonctionnement est simple. Il aborde l'énergie électromagnétique des corps, celui des monstres et des malfaiteurs que vous tuez, dans le cas présent, qu'il stocke pour atteindre un niveau de charge critique, puis convertit l'énergie stockée en mutagène supérieur, dont vous saurez certainement faire bon usage. Vous l'aurez compris, je suis un ingénieur amateur, alors il faut me pardonner de ne pas vous permettre de contrôler cette opération. Ah, super, la télé qui se merveille. Ça faisait longtemps, à chaque fois que je joue. Je joue pas souvent. Ah putain. Donc... je vais remettre le fil sans que ça pète. Parce que ça aussi, ça a bougé. Vous l'aurez compris, je suis un blablabla. Les mutagènes sont produits de manière aléatoire, si bien que la chance seule décidera de vous donner un mutagène vert, rouge ou bleu. Cependant, j'ai remarqué que les couleurs ont tendance à alterner. J'espère que mon cadeau vous sera utile. Bon, maintenant, c'est un peu mort parce que c'est la fin du jeu. Votre ami dévoué. Emil Régis, Roelec, Terziev, Godefroy. PS. Vous devez vous demander pourquoi j'ai déposé le mutagénateur chez vous au lieu de vous le remettre en main propre. Eh bien, sachez que c'est par modestie. Libre à vous de me croire ou pas. Prenez soin de vous, Gérald, et faites un bon usage de mon cadeau. Eh bien, écoute, hein, on va voir ce que c'est, ce truc. Mutagénateur. Comment ça fonctionne cette histoire? D'accord, il est là, mais il est où?
Nouvel objet. Il a bugué. Ça doit être ça. Attends, oh, c'est quoi ça? Oui, il est là. Ouh, ça vaut 3000 balles ce truc. Ah, par contre, il y en a 100 utilisations. Mais ça me dit pas comment on l'utilise. Vous devez réunir d'autres échantillons pour utiliser l'objet. Quoi ? Super, je sais même pas comment il marche ton truc. Peut-être comme ça. Donc, il y a des trucs que j'ai plein là, plein de 21. Non ? Ouais, c'est sympa Régis, mais j'ai pas compris comment on utilise ton truc là. Qu'est-ce que c'est? Non, là j'arrive à faire le spécial. Ouais, j'ai rien compris. Mutagène. Il parlerait pas du mutagénateur. Bon, ça a l'air bien ton truc, mais... Mutagénateur. C'est débile, il est là et je peux pas m'en servir. Là. Non, c'est pas lui, c'est lui. Utiliser. Non. Merde. Mais c'est peut-être ça justement dire. On va peut-être aller en alchimie. Quête. Potion à l'épreuve des herbes. Non. Ben voilà, je sais pas. Bon, et ben c'est sympa, mais bon. Voilà, voilà. Voilà, voilà. On va faire le tour et puis on va arrêter. Ouais. Je vais quand même descendre. Ennemi hier associé au rocher. Le rocher est pas grand. Descendre par là, voir s'il n'y a pas quelque chose. Pas plus. Démonter. Non. Que j'ai fait. Ok, bon. C'est pour démonter des mutagènes. J'avoue, je sais pas ce que j'ai fait là. Il y en a 68.
Ça m'intrigue, ça m'enchaîne. De... Il s'est bloqué, ce con. Ce truc de... Ça m'intrigue, ce... Ce mutagénateur que je peux pas utiliser, là. Vous devez réunir d'autres échantillons. C'est débile, je sais même pas comment ça marche. Il est beau comme ça. Bon, tant pis pour mutagénateur. On fera 100. De toute façon, on fera plus du tout, je pense. Il y a bien 2-3 quêtes là, mais... Voilà. Parler, c'est pourquoi ça. Celui-ci cherche quelqu'un qui n'a pas de son... Ouais. Ouais. Non, je pense que j'ai tout fait. Si jamais j'y rejoue, ce sera juste comme ça, solo. Pas solo. J'enregistrerai pas forcément. On va se poser avec Siri, puis on va s'arrêter là. La fin me laisse un peu, ben justement, sur ma fin. Surtout Siri qui revient pour pas grand-chose, en fait, c'est un peu étrange. Elle revient comme ça, bon. Un petit clin d'œil. Et dans ce cas... Ouais, tu tournes en rond, arrête de te foutre de ma gueule, regarde. Ça, c'est les choses à faire, ça. Ah, ça sent le mec pressé dans ses affaires, quoi. Ambitieux. Comme ça, on fait, hop, on fait demi-tour, on repart. Hop. J'ai des choses à faire avant la nuit. Oh oui, moi aussi j'ai des choses à faire avant la nuit. Et hop, un demi-tour. Ouais, pourquoi pas le retour de Yennefer ou... Ou de Triss. Ou même de n'importe qui. Voilà, mais je suis loin, moi. Elle était où? C'est normal que ça crame là-bas. Ah, mais ils sont encore là. Maître sorceleur, vous ne chercheriez pas un apprenti par le plus grand des hasards? À votre service, maître. Je suis fin prêt à servir. Champion, c'est un honneur de vous rencontrer. Ok, bon. N'allez pas croire que vous avez carte blanche ici. Ouais, oh. Je vous tiens à l'œil. Longue vie aux champions. Que vous faut-il, sorceleur? Il me reste encore à curer les sabots, déposer le martel de guerre chez le forgeron et le. Ouais, bizarre un peu cette fin quand même. On a un peu considéré. Enfin, la reine,
Allez, elle arrache contre nous alors qu'on a fait le taf. Enfin, non, on n'a pas vraiment fait le taf puisqu'on n'a pas tué la bête. On n'a pas tué le vampire. Mais on l'a quand même protégé. Lui, on lui propose un peu la retraite en lui filant le vignoble et. Et Siri qui revient. En mode, ça y est, moi aussi j'ai fait la sorceleuse, je me pose un peu. Ma foi. Bon, j'aimerais bien la retrouver là. Je sais que je suis parti. Là. Je suis parti loin. Normalement, c'est par là. Quoique, je suis même plus sûr là. Eh ben ouais, non. C'est l'autre côté. C'est là. Je suis allé si loin. Mais oui. Bon après je sais qu'il y a le New Game Plus. Donc on recommence le jeu avec toutes les compétences qu'on a déjà. Moi je vais pas le refaire, hein, on va pas se retaper des heures et des heures de jeu. C'est rare que j'aime faire plusieurs fois le même jeu. Sauf ça arrive mais. Putain c'est loin en vrai, je suis parti où moi? Je suis parti à Perpète. Si il y a des jeux que je fais régulièrement, genre Metal Gear Solid. Je les connais par cœur. Mais ça, c'est plus des jeux de mon enfance. Ma Madeleine de Proust. Des trucs que je fais. Par nostalgie. Mais putain, j'ai un bon sens d'orientation, moi, laisse tomber. Est-ce que c'est là? Là, arrête de faire le con et va tout droit. Bon, sinon je serai à la place de Geralt de Rive. En vrai, je prendrai ma retraite. Je me mettrai au chaud, pépère, dans son petit truc là, dans son vignoble. Eh mais c'est un truc de fou, j'arriverai pas au vignoble. Comment je me débrouille? Là, c'est bien par là. Oui. Là. Et maintenant, vas-y pour retrouver. Elle est là, Siri. Putain, j'étais pas loin. Bon, et bien voilà. On va se poser là. Et... Je vois que tu te plais bien ici. Oui. Je pourrais rester ici toute ma vie. Et bien voilà. Vraiment bizarre cette fin. Chelou, je sais pas. C'est peut-être parce que je sais que je vais plus trop. Sûrement plus toucher au jeu. Mais ouais, vraiment bizarre. Pas de musique. Juste des dialogues. Ouais, ça fait vraiment. Fin. Voilà. Bon. Eh ben. Fini pour The Witcher. Prochain jeu, ben, je sais pas. Allez.
Une page se tourne.